Hey, re-salut et re-bienvenue à vous, chers amis aventuriers, j'espère que vous allez bien. Je suis Comneir, nous revoilà sur un autre épisode de Rogue Legacy. Et si vous êtes un vagabond qui est tombé ici par hasard, je vous invite à vous abonner pour suivre le reste de l'aventure avec nous. C'est gratuit et ça m'encourage beaucoup. Donc, comme tout début d'épisode sur Rogue Legacy, pardon, on va regarder avec quel personnage nous jouons. Donc, je crois bien, c'est une gentille dame barbare. Avec double saut, on retourne 50% des dégâts qu'on reçoit. Et on a une magie pour lancer des haches. Et on a aussi une arme custom, je crois, un chapeau, quelque chose comme ça. Je suis plus trop sûr. Donc aujourd'hui, ça serait le fun d'essayer de se rendre à la forêt, bien sûr. Donc, hop là. Donc encore, si ma voix semble sonner différemment, c'est à cause d'un nouveau petit setup audio que je risque de montrer dans un petit vidéo IRL pour remercier tout le monde pour les 400 abonnés. Alors on a franchi deux caps d'une centaine d'abonnés assez rapidement. Là, on perd un peu de vapeur, mais c'est pas bien grave. Alors je vous en remercie. Sinon, au niveau des épisodes de Rogue Legacy, avant j'essayais d'en mettre une ou deux jours, un peu comme Feed the Beast. Mais là, ces deux promesses-là, je les ai un peu brisées plusieurs fois à date. Mais je vais essayer de récupérer la cadence, donc je sais pas comment ça va fonctionner, parce que là, finalement, faudrait que je mette quasiment au moins deux vidéos par jour. Ça va être un peu too much, mais nous verrons bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, continuons à explorer. La forêt est bien sûr à droite, donc on va essayer de se rendre le plus possible à droite. Je dis ça, puis en même temps, on va à gauche. Eh non, il y a des pièces comme ça, elles sont assez payantes. Surtout que, ramasser... Oh, Blood Cape! Cap! Alors cela, c'est une cape qui nous permet de faire de récupérer 2 points de vie à chaque fois qu'on tue un ennemi, mais avec moins. Voilà, oh, ça c'était mal joué, hein. Yes. Oh oui, hop. Toup. Il y a un zombie. Non. Yep. Non. Oh, ouch. Ne jamais retourner sur ses pas quand on marche sur les pics. Ça, c'est un bon truc. Oh, ok. Ok, concentre-toi là. On a quand même beaucoup de vie, fait qu'on devrait s'en sortir assez facilement. Mais quand même, la niaiserie humaine, la connerie humaine, la stupidité humaine n'est pas pardonnée dans un jeu aussi hardcore. Non. Yeah. Trop important de tout briser ça ici, même si ça donne absolument rien, en tout cas pour cette occasion. C'est toujours rien. Avoir le trouble obsessif compulsif, on pourrait récupérer de la mana, mais là, on l'a pas. Puis si je viens ici, est-ce que... Ok. Je vais essayer de briser ça vite vite. Non, ça vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner le ballon sur son nez. Ouh, oh, snap. C'est quoi ton problème, toi? Oh. Ok, hop, pareil. Oh, oh. Non, une autre, on va s'en aller. Hey. Ouh. Ok, on a perdu bien de la vie là-dessus. Je sais pas de quelle façon on aurait pu réussir à battre ce méchant là. Ça, je trouve ça plate. Il devrait avoir un système pour empêcher de se faire qu'il y ait des ennemis direct en changeant de pièce. Oh, un mineur ou un shinobi. Intéressant. Je vais y aller pour lui parce qu'il a la magie la plus intéressante. Puis une des classes les plus intéressantes. On devrait se rendre assez loin avec celui-là. On se croise les doigts. Bon, 962. J'avais pas remarqué, mais il y a des petits plus en haut à droite des icônes sur lesquelles on peut acheter. Donc, fini le niaisage. Regardez partout de ce qu'on peut acheter. Et non, et non. Donc, Nave, ça pourrait être cool. Je sais plus exactement qu'est-ce que ça fait. Je sais que le shinobi, celui-ci, ça fait... une petite téléportation rapide vers la direction dans laquelle on pointe, un peu à la façon d'un League of Legends ou n'importe quel magie qui utilise le concept de flash. La vie, hein, c'est... on n'achète pas assez souvent de vie. Tiens, ça. Puis là, il m'en reste un peu. Mana! Donc, on aurait pu peut-être s'acheter un objet. Là, ici, on a la Blood Sword, l'épée vampire. Oh! Ça nous enlève 30 points de vie, mais ça nous donne un petit peu plus de dégâts et ça nous donne 2 points de vie à chaque kill qu'on fait. Ici, c'est vraiment purement que de l'armure. Et la cape, bien sûr, qui est le même concept, là. Moins 30 de vie,
mais avec 2 points de vie à chaque kill. Ah, c'est vrai, on va plus vite maintenant qu'on est un shinobi, yes. Ok. Donc là, le premier, c'est une petite mission d'entraînement pour se remettre dans le bouillon du château de Rogue Legacy. Mais là, c'est parti pour... Oh, ok. Ok. Fait que là, ah oui, c'est vrai, les autres, ils ont un dégât assez hallucinant. Ah oui, ces pièces-là, je les aime. Je les aime pas. Parce qu'on descend directement dans la face d'un ennemi. Bon. On va monter en haut. J'ai plus de confiance par en haut. Ok. Comme ce qu'on fait. Et voilà, like a pro. Oh, j'avais oublié. Ok, plus on descend ici. Ouais, on devrait être correct. Toudou. J'allais même pas, j'allais le manquer. Il y a un coffre ici. Alors, on l'a vu sur la map, mais on l'a aussi vu grâce à le petit passage ici qui est comme plus foncé, qui nous dit que ça c'est une zone transparente. Donc, ne prendre aucun dégât. Si je fais ça comme ça, est-ce que ça va... Ok. Puis ça, il y a ça en haut. Non. J'ose pas perdre des dégâts juste pour voir si je peux pas ne perdre de dégâts. Ah, j'ai pas remarqué, mais ce personnage-là aussi, il est stéréo blind, c'est-à-dire qu'il ne voit pas les personnages en 3D, mais comme des feuilles de papier. Oh! J'aurais dû faire attention là-dessus, mais j'ai pas pris de dégâts, fait que tout va bien. Yes! Bon, on a déjà un montant d'argent assez, assez correct. Fait que là, ici, c'est l'accès à la tour. Je veux juste regarder s'il n'y aurait pas des trucs qu'on... Ouais, lui, on va pouvoir s'en charger. Ouais, pas de problème. Un peu d'argent. Ça, ça se brise-tu, non? Si je monte ici. Oh, oh oui. Yep. Pas d'argent. Oh, ok, on s'en va. Juste voir si je peux accéder à un petit montant d'argent rapidement par le coin, mais ça ne semble que non. À part l'ennemi, bien sûr. Ok, c'est vrai, ici, j'ai oublié. J'oublie toujours cet endroit-là. Ok, nous revoilà au début. En passant, ok. Donc là, ça, c'est le bon passage. On va attendre que les autres... Oh, c'était inattendu, ça. Donc là, eux autres, là, je trouve ça assez plate que leur... que dépendamment de laquelle direction qu'ils tirent... certaines boules de feu vont passer au travers les murs. Mais ça a de l'air correct. Hop là, ouh. Comme ici, ok. Hop là, bon. Ouh. Reste là, reste là. Oh. Ok, je pensais que c'était un rouge. Ah. Ça, j'ai ça quand le pic sort d'avance juste parce qu'on est pas loin. Là. Oh, oh, ok, ça passe proche. Ouh! Je devrais prendre tellement moins de dégâts à cause de ces pics-là, c'est qu'on est... Il suffit de savoir où est-ce qu'ils sont pour les éviter, genre, ils t'attaquent même pas si tu vas pas dessus, hein. C'est l'affaire le plus simple à éviter. Je l'ai pas eu. Yep, ok. Yep là, bon. Et voilà, bon, ouh, ok. Oh yeah! Fait que lui, c'est combien déjà? C'est 25% de tout mon or que j'ai là. Ouais, pourquoi pas. On est quand même sur une bonne run ici. Ah! Tapi! Bon, il suffit que je refasse 200$ que j'ai... Oh! Que j'ai perdu là. Et voilà. Hop! Ok, ici, il y a un coffre caché. Ah, il faut être nain. Non! Fait que là, si on peut avoir accès à un nain, là, peut-être... non, ça ne vaudra pas la peine. Je veux dire, peut-être bloquer le château pour pouvoir seulement retourner à cet endroit-là. Mais en même temps... Oh yeah! Bon. Fait que voilà pour l'or qu'on a perdu tantôt. C'est quand même triste de l'avoir perdu. Oh, on a même récupéré un peu plus. Qu'il fait bon être riche. Bon. Oh boy, oh boy, oh boy. Vous voyez, il est l'autre côté. Ah! Oh! C'est un ex, ça. Quasiment pas cheaté d'avoir fait... D'avoir killé le gars d'autre bord. À travers mon dos. Bon. S'il y a un coffre. Je suis sur les directs dans. Bravo, comme. Wow, encore. J'ai failli encore le faire. Est-ce que je suis sous? Voyons. Il bouge trop vite. C'est pas ma faute. Ok. Fait que là, on est rendu à notre troisième. Un nain. Ah, pas de nain. Mais un autre shinobi. Yes.
Ouh! Fait que là, on pourrait... Est-ce qu'on peut... Oui, on peut! Le Lich! Vous savez... Justement, en tort dans les épisodes, vous savez sûrement déjà c'est quoi ça fait ça, un Lich. Mais en fond, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'à chaque kill, ça augmente la quantité de vie maximale qu'il peut avoir. Donc, on commence avec un certain montant, je pense 50. Puis à chaque kill, on monte de 6 points de vie. Mais sans les avoir seulement que le maximum qui monte, pas notre montant actuel. Donc, après ça, on peut récupérer plus de vie pour continuer à le monter plus et tout ça, et tout ça. Donc, ça, c'est extrêmement pratique avec des équipements vampires parce que si tu peux récupérer 6 points de vie maximum, en plus de 6 points de vie que tu as à ce moment-là, mais dans le fond, à chaque kill que tu fais, ta barre de vie augmente, puis elle est toujours pleine. Fait que. Tiens, ici, on va se débarrasser de lui, et voilà, bon. C'est comme ça qu'on fait. Là, en ce moment, là, concentration extrême, cette fois-ci, c'est vrai. Oh! Je sais pas comment c'est arrivé ça, mais c'est pas grave. Il faut faire des erreurs dans la vie pour être. Pour avoir du succès. Ok, ça c'est pas un méchant. Je devrais apprendre à moins me faire toucher par les ennemis directement. Ok, si tout va bien. Wouhou. Je me fais plus toucher par les ennemis, genre par leur body, que par leur missile qui me lance au visage. Si on a de la vie, on va sûrement avoir besoin après ça. Hey non! On a pris 0 dégâts en tapant sur la tête du méchant gars. Rime de merde, merci. Donc ça aurait été facilement évitable si j'étais pas un cave. Et voilà. No cave allowed in here. Si seulement j'étais un... Oh, je pourrais passer par ici. Je sais même pas pourquoi je m'acharne à jouer à des jeux vidéo quand je suis aussi nul. Et voilà, bon. Fait que là, ça serait comme cool là, de l'avoir la fontaine, mais quoique, pas avoir pris ma vie tantôt, je serais mort à cette heure-ci. Yabla. Fait que là, je sais qu'il va en avoir un autre en dessous. Ok. Pas d'autre? Ok. Ok, attention. J'étais sûr qu'on y était, mais non, c'était une de nos propres munitions. Oh, ok. Ah. T'es vicieux, toi. Hey. Ok. Ça plaît de gaspiller un autre super shinobi. Et voilà. Bon. Ouh. Rends-toi au moins 1000 là, s'il te plaît. Ouh, ok. Faut voir aussi la forêt, là. C'est bien beau l'argent, mais si tu te rends pas à la forêt, on va te taper. On va te donner une gifle. Tiens. Ok, un peu de magie. Yes. Bon, au moins on a récupéré un. Oh. Blood chest plate. Ok. Mais t'as ici, toi. Comment ça? Tout perdu. Non. Ok, c'est pas pire. Je suis mort en genre une minute, mais c'est pas pire. Ah non, pas lui. Ça fait que tout le jeu est à l'envers. C'est assez horrible. Donc, on a deux Barbarian Queen maintenant. C'est plus qu'une. Ils sont identiques. À part qu'elle, elle voit rien de proche. Mais voyons. Ok. Oh, puis on s'est rendu à 1000. Bon. Fait qu'on a accès à ça. Sinobi, on peut faire un flash. Ça ici. Plus de vie. Ouais. Je suis regardé le plus cher en fait. Si on prend ça, on serait capable d'apprendre un autre de ces deux-là, hein? Ouais. Tiens, plus de vie. Pour l'instant, l'équipement m'attire pas tant que ça. On n'a pas rien de qui vaut vraiment la peine d'être dépensé parce que c'est pas progressif. Fait qu'on va dépenser un montant, mais si on attendait de trouver un équipement plus nice, mais on a... C'était pas nécessaire d'avoir dépensé ce montant-là premièrement, donc... voilà pourquoi j'investis moins dans les équipements. Dans les runes, ça pourrait être... Tu vas mourir. Oh, chisel, ok. Non. Access denied. Pas aujourd'hui, ma belle. Hey, sors-moi pas du niveau, toi. Ah, fallait vraiment que ce soit un tableau méchant. Hein.
Ok, ça c'est comme ma combinaison ultime anti-Kumn. Mais c'est pas pire, on a tellement de vie! On est un barbare qui a trop de vie. Ok. Est-ce qu'on réessaie? Oh. Yes, ok, on a un. Hop, là, il est enragé. Ok. Oh. Non, ok. J'ai essayé! Ah, c'est ce squelette là, je sais pas c'est quoi le truc là, à part d'avoir genre trop de vie pis de. Oh! Ok, c'était inattendu ça, rien là, ok. On va essayer de lui tirer. Wow, wow! Ok, ouh! Ok, à partir de là, on devrait quand même. Yeah. Oh, ok, j'avais pas vu ça là non plus. Oh, ok. On va descendre. On fera pas affaire avec. Aïe 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 aïe. C'est toujours au mauvais endroit. À bon endroit pour eux. Ouh. Oh, j'ai failli me manger en pleine gueule celle-là. Hein. What the fuck? Ok. Ok, oh. Oh. J'entends un bruit. Pas grave, pas grave. Excusez cette petite interruption. J'entendais un bruit, je me demandais. Alors, encore un bruit bizarre. C'est parce que là, il est... Je vous l'ai pas dit, mais il est 1h du matin. Puis il est pas supposé avoir des bruits de pas comme ça. C'est assez étrange. Petite affaire, je vais me faire avoir à chaque fois, hein, ici. Alors, j'ai remarqué que... Non. En fait, je sais pas ce que j'ai remarqué. Tant pis. Continue. Ok, y'a rien. Ah, oh, c'est déstabilisant de se faire interrompre par des bruits bizarres. C'est pas grave. Ok, ok. Ok. Non, non. Bon. Ouh. Oh, c'est vrai, j'ai tué un gros squelette. Désolé, je suis un petit peu déconcentré, je suis plus vraiment dedans. Mais là, ok, ouh, concentration, concentration, yes. No, no pain. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, ça. Bizarre. Fait que là, on commence un petit peu à être con sur le temps, fait que soit qu'on espère mourir assez vite, ou soit qu'on fait ça dans une autre vidéo. On va prendre notre temps plutôt pour chercher ça ici. On va aller voir quelles armes. Ah, no pain, ça veut dire qu'on n'a pas de barre de vie. Oh, fait qu'on sait pas combien on a de vie qui nous reste. Donc, ça pourrait être cool, hein, de se prendre un truc comme ça pour pouvoir récupérer de la vie. Mais là, on tomberait à 75. Mm-hmm. Ça ferait moins de vie. Si je prends lui ici, il a le même prix, il donne la même chose, mais il donne plus d'armure au lieu de donner plus de dégâts. On prend ça, tiens, paf! Ça, ici 400, il n'y a rien à part ça. On peut pas le prendre parce que nous autres, on peut juste plus 10. Oups, tiens. Et 29! Fait que là, au lieu de continuer tout de suite, on va le faire dans un prochain épisode parce que là, on est un petit peu à court de temps. Alors, désolé pour le petit... la petite confusion, le petit truc malaisant enfin, mais là, c'était vraiment bizarre toutes ces affaires-là, c'est creepy, là, ouh, du 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 du. C'est quoi déjà la chanson? Le jingle de X-Files? Du 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 du. Wow. Bon, alors j'espère que vous avez apprécié votre petit passage ici, à part la fin éperante de l'Halloween. En tout cas, moi j'ai bien aimé vous voir ici, j'espère aussi vous revoir pour la suite de cette série ou d'une autre série, c'est vous qui décidez, c'est vraiment vous qui décidez, en tout cas, c'est comme ça, hein. Vous cliquez ou vous... Dans tout cas, merci encore d'être passé, à la prochaine et ciao les amis. Excusez-moi encore, hein. Salut. Oh. Ben voyons, il se passe bien des catastrophes aujourd'hui. Désastre pétrolier. Le nouveau Titanic.